Qu'est-ce qu'il vous faut de plus qu'un petit garçon de 12 ans qui se pend? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus qu'une jeune femme de 24 ans qui vous dit je n'en peux plus de ce système? J'ai honte, je ne me sens pas entendue. Moi, si ça vous fait pareil, mais moi, à chaque fois que je croise la police, genre à chaque fois, hein, ou à chaque fois que je sors d'un magasin, alors que je suis pas une voleuse, et ben j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de mal. Genre, à chaque fois que je croise la police, j'ai la boule au ventre, alors que la police, ils sont censés nous protéger. Bon, là, j'avoue, j'ai mon téléphone, bon, je roule pas, mais c'est bizarre, non? Que j'ai tout le temps la boule au ventre quand je croise la police, alors que vraiment, j'ai rien fait. Je crois que en plus il y a, je crois que je suis la personne qui obéit le plus aux règles du monde. Donc c'est quand même drôle que ça me donne cet effet. Dites-moi si je suis la seule. Je suis sûre que je suis pas la seule. Dès que j'entends un giro, on fait oh, comme si elle avait fait un truc alors que j'ai jamais rien fait d'illégal. En train de bosser. En fait, vous captez pas, mais c'est du travail YouTube. Genre, je note mes idées dans mon cahier. Ça, c'est un nouveau cahier. C'est un cahier gentil, celui-là. C'est pas un cahier méchant. Bref. Je suis en train de bosser en fait sur un projet que j'ai pour YouTube. De base, en fait, c'est ce que je veux faire depuis le début. Mais c'est un projet qui me prend du temps et c'est un projet où je ne vais pas être seule, où je vais travailler en étroite collaboration avec des psychologues et également ma petite Grace. Enfin, ma petite Grace. C'est une nouvelle copine à moi que je me suis faite. Et il s'avère que cette copine-là, elle a une vraie particularité. C'est un truc de fou. Genre, je vous jure que c'est un truc de fou. En fait, elle est clairaudiente. On appelle ça. Elle entend des trucs que nous, on n'entend pas, les gars. Genre, moi, j'oublie qu'elle a ça, des fois. J'oublie qu'elle a ça comme si c'était une maladie, mais c'est clairement un don, en fait. Moi, je vous dis, j'oublie qu'elle a ça, parce que des fois, je vous dis des trucs. Et en fait, elle va venir vous guider. Elle vous guide comment, comment vous expliquer ça? Elle est de très bons conseils et généralement vous l'écoutez. Mais en gros, genre des fois je dis ben moi j'ai peur nanana par rapport à ça et elle va me dire non non t'inquiète. Je dis mais qu'est-ce que t'en sais toi? Elle me dit bah en fait Vivi j'ai quelque chose que tu n'as pas et en fait du coup et puis elle est coach aussi de vie. Enfin elle est très c'est quelqu'un qui est très apaisante. Enfin c'est elle vous conseille pour tout. Enfin, c'est vraiment trop cool de l'avoir dans sa vie. Vraiment. Enfin bref, c'est une personne qui est assez troublante, très honnêtement, mais elle m'aide énormément dans le travail, elle m'aide énormément. En ce moment, je suis vraiment débordée et franchement, elle m'a grave aidée à aller ben, sur les trucs importants, à prendre des décisions. Enfin, franchement, elle est géniale. Elle est géniale. Et si vous avez envie de tester une séance avec elle, elle vous propose en fait de vous en faire remporter une. Donc, je vais vous marquer les modalités du truc. Mais hyper simple. Mais franchement, si vous posez des questions, vous êtes un peu bloqué dans votre life et tout, foncez. Franchement, je... Le générique de Pokémon 3 parce que c'est le générique de mon amour. Il l'aime énormément. Donc du coup, bah, je vais le chanter parce que je me débrouille pas trop mal en jambes. Tous être le meilleur dresseur et prouver de quoi on est capable. Surpasse, conseille, tout améliore. Le monde change tout autour de nous. On sait tout et reste le même maître. Copine! Et moi ça va, non, je mais... me ressemble. Hein. Franchement, toi, t'es fraîche. J'étais plus belle avant, j'ai dépéri. Merci, la télé. T'as glow down. Corneille et Bernie. Alan, voilà. Voilà.